joindre une famille haïtienne qui n'a pas gagné tout au moins sur un monde là-dedans qui a servi. La difficile pour joindre une famille haïtienne qui n'a pas gagné tout au moins un monde dans la famille qui a le caboclo, qui a marché avec un gangan, qui n'a pas de bon, qui n'a pas toute qualité causée, et puis tout l'éternel paraît. Dans 40 jours devant le trône, ça, le Seigneur parlait avec les gens qui ont cherché face. Le Seigneur parlait avec les gens qui ont cherché présence. Et puis tout dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, bien-aimés, salut. Nous avons continué avec étude nous sur élève ton autel. Nous espérons que déjà ou béni et nous encourager pour capable continuer suivre ce message ça, partager lien avec nos amis, partager avec nos familles et ainsi ou va béni. Déjà que bon Dieu bénisse et bonne écoute au nom du Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te louons et te bénissons de la grâce qu'on fait nous pour nous capable venir en présence ou à soi encore. Merci pour soin jaloux qu'on prend de nous pendant toute la journée. Et alors que nous sommes là devant le peuple afin de prononcer la parole, de proclamer l'évangile, je demande autant prie Père Céleste pour capable de pitié de nous. Aie pitié de l'homme faible dont je suis. Ou va rescue the message from the messenger. Do something that only you can do, oh God. Father God, after you would have used me, it's still not enough. I pray that you would come yourself. Viens donc toi-même nous parler, nous enseigner. Viens donc toi-même ouvrir devant nous les mystères cachés de la parole. Merci pour ce que tu as fait déjà pendant ces 40 jours. Et merci pour ce que tu fais maintenant encore. Merci pour les âmes qui ont accepté Jésus. Merci pour des vies qui sont transformées et régénérées. Merci pour ceux-là qui étaient au loin et qui se sont rapprochés. Merci Père Céleste pour le monde qui a grandi, qui a béni. Maintenant, prends le contrôle de ton serviteur. Donne à ton serviteur la force qui vient de toi, la grâce de l'Esprit Saint, et permette que l'Évangile soit capable de prêcher avec force et puissance, et que toute bouche confesse que c'est au même qui, bon Dieu, tu feras au-delà de nos attentes, au-delà de nos espérances, car nous t'avons ici prié avec action de grâce dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Qui grand jour ouvert Bible avec nous dans le livre du Deutéronome. Du Deutéronome, nous sommes en Deutéronome chapitre 18 et je lis à partir du verset 9. Lorsque tu seras entré, Deutéronome chapitre 18 verset 9 à 14, nous avons pris bon temps pour capable lire et trouver passage de l'écriture ça. Message à soi, c'est un message qui est important dans la série. Donc, nous t'apprenons à suivre avec attention et inviter l'autre ami à suivre ensemble avec vous. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge
les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins, mais à toi, Dieu, l'Éternel ton Dieu, ne le permet pas. Merci Père Saint, fais-nous grâce. Il dit que l'intérêt est le mobile de toutes les actions humaines. Cette citation est de La Rochefoucauld, penseur et écrivain français, qui t'a dit « L'intérêt est le mobile de toutes les actions humaines. » Il t'a semblé depuis toujours l'humain ne fait rien pour rien. Cette période de l'enfance qui est marquée par l'innocence et un altruisme pur. Aussi longtemps qu'on devient grand et qu'on commence à penser, qu'on commence à vouloir conquérir, il t'a semblé que tout sa monde a fait, à quelques rares exceptions, l'y motiver par un intérêt, par un avantage. Yon n'a grand économiste des temps modernes, il dit les grands pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Il t'a semblé, quel que soit ça, en pile monde a fait, ils ont toujours une tendance à chercher leur propre intérêt. Il s'ensuit que l'amitié est devenue une denrée rare. Parce qu'à la base de l'amitié, il n'y a pas ses intérêts, mais il y a l'intérêt des autres. Il y a le désir de communion, il y a le désir de partage. Et yon, nan bagay, me senti bon Dieu à chercher. Bon Dieu, pas chercher moun qui a servi pour intérêt, mais bon Dieu à chercher moun qui remèle. Peut-être c'est pour ça, lorsque Jésus te fait face à cette grande question, quand on lui demandait, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et à cette question, Jésus répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. À souhait, nous prenons étudier, ou plutôt continuer, n'a même lancé ça. Vivre devant le trône, 40 jours devant le trône. Qui ça? Ça veut dire tout bon vrai pour vivre devant le trône. Et qui ça? Bon Dieu a attendre de monde qui vivent devant le trône. Moi passé plusieurs soirées pour me prendre temps pour me capable enseigner sur le principe de l'autel. Je crois que c'est un principe qui est important. Et je te prends temps pour m'expliquer ou songer, nous te lis. En Exode, chapitre 20, versets 23 et 24, l'Éternel parlait avec Moïse. Il dit, mais qui ça, ou va dire peuple là? Lorsque un monde a désiré l'approche de Dieu, amen. Lorsque un monde a voulu rencontrer le Seigneur, gloire, là va dresser un autel. Là va offrir des sacrifices d'action de grâce. Là va offrir des offrandes. Là va présenter des brebis et des bœufs. Et moi-même, l'Éternel, m'a va paraître à lui-même, m'a va bénir. Donc, nous t'ai expliqué que l'autel, son principe spirituel, c'est un point de contact. Cette peau entre le monde visible et le monde invisible. Donc, quand un humain, lorsqu'un humain veut rentrer en contact avec le divin, il bâtit un autel. Maintenant, il y a une question nous a posée. C'est pourquoi ce désir de rencontre
Il y a tout au moins deux réponses. Le désir de rencontrer Dieu fait partie de notre constitution. Nous avons été créés pour Dieu. L'homme a été créé pour Dieu. Et c'est Pascal qui disait, il y a au cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que Dieu seul peut combler. Il a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Et l'homme cherche à vivre en la présence de Dieu. L'homme cherche à rencontrer Dieu. Mais il y a un deuxième élément de réponse, tout au moins. L'humain cherche à rencontrer Dieu, c'est parce que face aux défis de l'existence, face à certaines réalités qui le dépassent, l'humain a cherché un secours, l'a cherché une force, l'a cherché une faveur, une aide, une assistance de l'au-delà. Et cette assistance, cette aide que l'a cherché, l'a joigné dans Dieu. Stay with me now. Donc, l'autel est dressé pour adresser des prières à Dieu, pour réclamer ses faveurs, pour le présenter des demandes et rechercher une assistance ou bien une aide quelconque. Donc, lorsqu'on nous dresse un autel, il n'est pas toujours fait pour le rentrer en communion avec Dieu, mais il fait parce qu'il a un besoin de protection, un besoin de faveur, un besoin de grâce, un besoin d'assistance. Et la personne dresse un autel, la personne adresse des prières et la personne demande au divin de se manifester, de l'assister ou de l'aider. Maintenant, nous joignons dans la Bible. Côté que des monde qui t'est dressé autel. Par exemple, en Genèse 8, 20, la Bible a dit nous que Noé montait en autel et il invoquait le nom de l'Éternel, son Dieu. Pareil avec Abraham, en Genèse 12, verset 8, qui bâtit un autel et qui invoquait le nom de l'Éternel, son Dieu. Maintenant, ça, m'apprends à comprendre que l'humain, n'est pas le seul, ou plutôt, et l'homme non, il n'est pas seulement présenté à bon Dieu et des offrandes, mais même Jean, l'homme non bâti un autel à Dieu, c'est-à-dire le Créateur, l'homme non tout bâti au travers de l'histoire et dans presque toutes les religions du monde, l'homme non tout bâti des autels à Satan, à des divinités étrangères ou païennes. Maintenant, nous comprenons à partir de ça que nous là, l'impossible pour un monde bâti un autel à mon Dieu, le Créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'on s'attoure l'impossible pour un monde bâti un autel à Satan ou à une divinité, la caille, il y aurait les lois, il y aurait les esprits, il y aurait tout l'autre nom que il y a capable de bâtir, pour capable de décrire. Now, si vous comprenez ça que là, ou pral ouais que réalité ça n'est pas seulement et en réalité la caille. Même en Israël, il y avait des rois, il y avait des hommes, des femmes qui dressaient des autels pour capable rentrer en contact avec le monde spirituel satanique. Donc, on a besoin qu'on est dans le monde spirituel, il y a deux côtés. Il y a le monde spirituel divin et il y a le monde spirituel de Satan. Donc, où jouent des hommes, donc où Manassé, Bible a dit nous, non, par exemple, Bible a expliqué comment Manassé, dans 2 Chroniques chapitre 33, verset 1 à 3, monsieur dressait des autels, et puis tout monsieur adorait toute l'armée des cieux, et me t'ai montré comment le roi Akab, lui-même tout, lui t'a dressé autel, et texte l'a dit, lui dressait autel dans tout coin pays, lui dressait autel dans chaque ville pays, lui mettait sur les lieu, li mettait sur les montagnes, li mettait sur les collines, ouais, li créait un espace pour capable permettre yo atterrir, li créait un espace pour capable permettre yo fonctionner, li créait un espace pour capable permettre yo opérer. Donc même gens au monde capable de dresser des hôtels à Dieu, comme ça il y a des hôtels qui sont dressés à Satan le diable. Bon Dieu, dans la Bible, bail des instructions claires quant à ces pratiques-là.
Et là, on prend sang pour lire le texte nous sautouer dans Deutéronome. Non? Ou t'en est mon Dieu qui parlait à Israël, qui parlait à que peuple là, qui dit, nous faisons pile bagaille pour nous. Me retirer nous dans l'enfer l'Égypte et me ranger comme pour me donner la terre que je te promets à vos pères. Nous prenons rentrer dans un bon pays. Nous prenons rentrer dans une bonne terre. C'est une terre où coule le lait et le miel. C'est une terre prospère, une terre riche. Mais qui t'aime, dis-nous, les principes que nous avons besoin garder pour que nous capables heureux dans cette terre. Parce que la terre qui est riche peut devenir une terre pauvre, dépendamment de gens fonctionnés là-dedans. La terre qui est aujourd'hui prospère et abondante, si tu commences à la souiller, si tu commences à bâtir des hôtels à d'autres dieux, et ainsi tu commets des méchancetés, tu commets des crimes, cette terre la vomit-nous. Et bon Dieu prend temps, bon Dieu dit à travers Moïse, lorsque tu seras rentré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Mais quelle abomination! Et puis le Seigneur dit que on va joindre la caillou, monde qui fait petit Dieu passer par le feu. Que on va joindre la caillou, monde qui a exercé le métier de devin. Que on va joindre la caillou, monde qui a fait astrologie. Que on va joindre la caillou, monde qui a consulté horoscope. Que on va joindre la caillou, monde qui a pratiqué la magie. Qui c'est magicien, que on pas joindre la caillou, moun qui c'est enchanteur, que on pas joindre la caillou, moun qui pral évoquer les esprits, qui pral reler mort, qui pral kembe zombie, que on pas joindre bagay sa ou la caillou, car quiconque fait ces choses est un abomination à l'Éternel. Et bon Dieu continue. Il dit, c'est pour raison ça même qui fait pète fiel nation qui est là. C'est pour raison ça même qui fait pral mettre au dehors. C'est pour raison ça même qui fait pral battre. C'est pour raison ça même qui fait pral faire marcher sous fiel. Parce que les offres ça, yon nevement. Les offres ça, yon fait fâcher. Et parce que yon fait ça, m'pral encore parler. M'pral pète fiel. Marcher sur yo, et puis tout bon Dieu dit comme ça, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras, yo tendez les astrologues, yo tendez les devins, nation sa yo, yo évoquer les esprits, nation sa yo, yo évoquer les morts, mais ou même bon Dieu, pas permet tout pour faire bagaille comme ça. Now, commencez à comprendre que vivre devant le trône n'est pas seulement Dieu avant, mais vivre devant le trône voulait dire Dieu seulement. Si vous bagage, vous devez connaître frère, vous devez connaître que Dieu n'admet pas de rival. Bon Dieu, pas permettre moun ap servi pour moun ap servi l'autre Dieu. Pour moun nan présence li, pour nan présence baka. Pour moun nan présence li, pour nan présence diable. Mais pour bagay qui est intrigué dans texte là. Texte là dit comme ça, ou pas évoquer esprit. Ça veut dire aïe aïe aïe. Ou songe m'te dit pour on esprit descend, la besoin d'un sacrifice. Et pour sacrifice la fête, il y a besoin d'un hôtel. Bon Dieu dit comme ça, hôtel ou abagé pour bâtir, sacrifice ou abagé pour faire. Fais attention pour pas offrir à un Dieu étranger. Pas de rapport. Bien aimé, si vous bagaille, nous t'apprenons comprendre le message à soi. Nous t'apprenons qu'on est à soi.
contrairement à l'autre divinité qui admet pour moun servir l'autre divinité. Lorsque on moun a servi bon Dieu, lorsque bon Dieu relève au monde pour vivre devant le trône, moun sa pa gen droit présenté devant l'autre trône que le trône de l'Éternel des armées. Raison en simple, c'est parce que par un rapport entre la lumière et les ténèbres, par un rapport entre Dieu et Bélial, par un rapport du tout entre Seigneur à Satan. Et bagaille ça tellement important pour mon Dieu. Mon Dieu joue un moyen, lui mettait au cœur de la loi. Nous lis dans Exode chapitre 20. Côté l'Éternel parlait. Texte a commencé pour dire alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et puis tout bon Dieu dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Peut-être message ça, il est capable de gagner un sens purement philosophique et théorique pour les gens qui fait ici, qui partent sonder les profondeurs de Satan, qui plus gagne comme Dieu l'argent. Ici, c'est ça, on est greenback. Devant greenback, pas de fait back. Mais nous-mêmes en Haïti, nous faisons face à cette réalité de près. Nous comptons ça, ça veut dire loi. Nous comptons ça, ça veut dire pourquoi. Nous comptons ça, ça veut dire Al-Kaougan. La difficile pour joindre yon famille haïtienne qui pa genye tout au moins yon moun la dan kap sevi. La difficile pour joindre yon famille haïtienne qui pa genye tout au moins yon moun nan famille ki al kaboko, kap mache ka gangan, qui n'en mambo, qui n'en toute qualité causée, et puis tout l'Éternel paraît. Dans 40 jours devant le trône, ça, le Seigneur parlait à moun kap chercher face li. Le Seigneur parlait à moun kap chercher présence li. Et puis tout dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Bien-aimés frères et sœurs, si mon Dieu dit: Binga nous évoquer les morts, si bon Dieu dit, Binga nous évoquer les esprits, c'est parce que bon Dieu connaît, pratique ça existe. Dans l'Antiquité, il y avait des gens qui évoquaient les esprits. Et jusqu'à présent, des gens qui ont râlé l'esprit des saints, ou bien qui râlé en montée, ou bien qui n'ont pas un procédé mystique créé en façon pour yon faire au pas et communiquer à qui. L'Éternel dit pas invoquer les esprits. L'Éternel dit pas invoquer les morts. Bon Dieu dit pratique ça yo. C'est pas pratique monde qui a marché devant le trône. Amen. C'est pas pratique monde qui a vivre devant le trône. Mais cette triste là, ou jouen, gagne, m'tende ou dit, gagne des soi-disant hommes de Dieu pour yon faire l'église marcher, yal kaboko. Gagne des soi-disant hommes de Dieu pour yon jouen ou percer dans le ministère, yal kadjiab. Comment ka comprendre? Pour faire travail bon Dieu avec force diab. En réalité, my God, bien haïtien, il est tellement dérangé, il est plus de tendance pour le croire, non, bon, quoi, de pour le croire, non, bon Dieu. Ça me dit tellement vrai que les gens dans l'église, les gens dans le serviteur à monter,
Les lois, bon Dieu, a utilisé au serviteur. Les lois, onction, bon Dieu, dans la vie, mon nom. Pour lui-même, raison qui fait serviteur à puissant comme ça. Raison qui fait serviteur à monter comme ça. C'est parce que l'alta boko. C'est parce que l'on a son loge. Ça, il ne pas comprendre. Il ne pas comprendre que, ou qu'à monter, son pas dans ma sologe. Ou qu'à prospérer, son pas besoin de caboclo. Parce que mon Dieu va y protection. Mon Dieu va y prospérité. Mon Dieu qu'on fait mon avancée. Mon Dieu qu'on va valer terrain. Et me sentir pour me dire, aïe aïe aïe. Ou pas besoin de caboclo pour avancer. Ou pas besoin de caboclo pour progresser. Ou pas besoin de caboclo pour avancer. Ou pas besoin de caboclo pour arriver. Rester devant le trône avec intégrité. Rêtez devant mon Dieu avec sincérité. Rêtez devant mon Dieu avec un cœur sans partage. Un cœur qui va partager entre Dieu et Baal. Un cœur qui décide. L'impact dans ma sologe. L'impact dans le caboclo. L'impact prend point. L'impact prend la voix montée. L'impact prend vague montée. L'impact prend mouchoir rouge. Et tout l'éternel déclaré. Puisque c'est qu'on s'en fait là, moi-même mon Dieu, m'a montré aux capacités. Moi-même mon Dieu, m'a montré aux âmes qu'a fait. Hey, nous sommes pour tout, dans le nom de Jésus, ça qu'a fait là. C'est pas qui a fait, ça qu'a fait là. C'est pas bon corps, c'est pas bon corps qui a option ça. C'est pas bon corps qui a numéro ça. C'est pas diable qui fait ça qu'a fait là. Ça qu'a fait là, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est l'onction du Saint-Esprit. Saint-Esprit dans où est-ce? Cet esprit dans tes grenou, cet esprit dans biscuitou, et il y a démontré. Si il pour toi, c'est l'éternel qui t'a. Si il pour puissant, c'est l'éternel qui puissant. Nous donnons mon Dieu à parler avec aux jeunes filles. Nous donnons mon Dieu à parler aux jeunes garçons. Ils n'ont pas besoin de faire ça pour arriver. Ou pas besoin de faire ça pour avancer. Ou pas besoin de faire ça pour jouer nos percées. Reste devant le trône. Marche devant le trône. Vis devant le trône. Dors devant le trône. Et puis tout qu'on l'est. Qu'on l'est. Dis qu'on l'est. Puissance n'a pas d'elle. Hey. Grâce n'a pas d'elle. Bénédiction n'a pas d'elle. Faveur n'a pas d'elle. Qu'on l'est. Sors caché. Ou à joigné. Au nom de chez. Passe. Pour qui ça y aller, il a cherché une aide, il a cherché une assistance, il a cherché un secours. Mais la Bible révèle nous. Depuis ce monde qui a cherché vieux secours, ça y est, au lieu qu'il a délivré, bah la vie plus mal pour lui. Parce que Satan pas jambe baille pour le pas prendre. La casse coup quand même. Et dans la Bible, nous avons une histoire de nèg qui te commet et ouais ça. Yon allez l'autre là voyez. Nous jouons dans le livre de Samuel. Samuel chapitre 28. L'expérience d'un homme, un roi, soit le premier d'Israël, qui t'a fait une expérience drôle. J'ai regardé, l'Iwe, Samuel mourit. Et laisse Samuel mourir. J'ai tellement fait brigandage, il a tellement désobéi, mon Dieu, il était sans lumière. L'Éternel pas répond ni par les prophètes, ni par l'urine, et puis tout monsieur, ni par les songes. Et puis tout monsieur décidé, la mettre col dehors pour la chercher en réponse. Oh, frère, ou même qui l'église, frère, je supplie en grâce, pas aller.
Je supplie dans le nom de Jésus. Parlez. Parlez. Vos textes qu'on y a. Texte, là, c'est pour un texte de célébration. Mais son texte d'avertissement. C'est la voix d'un pasteur qui crie. C'est la voix d'un pasteur qui pleure. C'est la voix d'un pasteur qui exhorte le peuple de Dieu et qui tout frère. Allez. Mon texte, Kounia. Dis pas allez. Je connais le cas semblé. Mon Dieu, pas répondu. Rapide, j'en t'avle. Il t'a semblé. Le Seigneur, pourtant, avant que le réponde prière, je me sens pour mon frère. Parler. Oh, c'est pas de mon calé, non, pasteur B. Non, mon calé, oh, pasteur B. Qui est dame missionnaire. Non, mon calé, oh, qui est prédicateur. Non, mon calé, oh, qui est musicien. Non, mon calé, oh, qui est sac à chanter. Non mon caléo, qui évangéliste. Non mon caléo, qui pasteur. Non mon caléo, qui sept membres de l'église. Non mon caléo, qui chef de département. Je m'entendais, le ciel, à petit frère, parlez. Parlez. Parlez, amis. Oh, ça y est, allez. Ça y est, je ne moyen. L'allemand est-ce que pas un monde là? Est-ce que pas un monde dans la boucle là? Qui connaît l'esprit? Et un monde dit-il? Nous, dans verset 7, 1 Samuel chapitre 28, un verset forme l'île pour vous, faut l'île à terre à Géo. Nous, dans 1 Samuel chapitre 28, dans verset 7. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. C'est ça, Aurélie, dans le langage spirituel, la nécromancie. La nécromancie, c'est une science occulte qui pratiquait, je ne j'en dis pas, et dans l'Antiquité, côté monde, il gagnait des façons pour relever les morts. Texte, là, c'est un texte qui a plus de problèmes dans la Bible. Parce que il y a des gens qui ne sont pas capables de comprendre la brutalité du texte. Ils ne sont pas capables de comprendre la brutalité du texte. La raison qui fait qu'ils ne sont pas comprendre la brutalité du texte. Ils ne sont pas capables de croire ce texte. Ils ne sont pas capables de croire ce texte. Et moi-même, ma baoule, dans toutes les personnes, si mon Dieu dit, binga, mon Dieu est mort. C'est parce qu'elle connaît l'impossible pour mourir les morts. Des prédicateurs, en fait, les tendances sont partagées quant à l'interprétation du texte. La Bible a dit les femmes n'arrivent. Mais quand le texte là drôle là, oui, parce que quand le texte là drôle là, oui. Bible a dit comme ça. Samuel, alors Saïd dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts.
Moi-même, il faut m'aller rapide. Premier problème qui est dans le texte là. Premier problème texte là, moi-même, c'est comment faire les amender serviteur yo. Est-ce que quand on t'a joué nos femmes qui connaissent les morts, et puis tout le monde court et répond, il dit qu'il y a une nuit dans l'endo. La question c'est comment faire les gens faire qu'on est. Gagner yon nan endo. Comment on fait qu'on est? 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 Son moun ta mande m'pas, m'bezon bon corps, koulia la. M'a tout frère quand? Comment on fait? Ou m'pas ka servir de bon Dieu, m'a tout m'bezon bon corps? N'a ki rapport m'y a bon corps? Comment on fait qu'on kote bon corps? Ça qu'on a chaté dans mes bocaux pour venir demander quand on t'a joué dans mes bocaux là. Frère, quand? Mais n'a qu'yo, répondre, qu'est-ce qu'on lui? Et Bible a dit comme ça. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit: prête-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit: voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant: l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit: dans toute mort, qui est-ce que vous voulez me relever? Et puis ton monsieur répond: fais-moi monter Samuel. La Bible a dit comme ça: lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül: pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Verset 15 ans après le net. Verset 15 ans dit: Saül dit à Samuel: moi parle. Elle dit: Michel, pour qui raison troublée ou fait venir ici là? J'en dis une interprétation ou partagée. Des gens qui refusaient d'accepter le mystère dans le texte là. Ils disent que ce n'est pas Saül qui montait. Son mauvais esprit performe Saül. Mais le texte là semble dire: Saül dit à Samuel, dit à Saül. Il t'a fait plus sens s'il te dit: yon esprit dit à Saül. Mais le texte là dit: Samuel dit à Saül. Mystère ça, son mystère qui est grand. Nous faisons un camper sous lui. Mais il y a deux autres qui font dans le texte là. Il y a deux autres qui font. Saül, à l'autre côté. Il n'y a pas d'où aller. Homme de Dieu. Ça va faire comme encore. Femme de Dieu. Ça va chercher comme un beau. My God. Pasteur, quand on quitte un nec prend à l'initio dans ma son loge la même. Quand on quitte un nec yon prend yon drenon la frère. Serviteur mon Dieu. Quand on fait quitter un bon nec. Cette consécration, ce grâce, n'est qu'un travail pour position, pour prestige. Prends-le. Elle fourre dans ma son. Ça, c'est histoire honnête. Qui était allé. Maintenant, deux rois. Nous jouons une histoire honnête qui n'est pas allé, non? Monsieur Voué. Dans deux rois. Chapitre 1, verset 1, na 4. Alléluia. Parole, mon Dieu, a parlé.
Et mais qui ça le ciel dit? Dans deux rois. Il dit, Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tombé sous balcon la Kaeli, sous Chamotli, et puis tout le monde coffre le malade. La Bible dit comme ça, il fit partir des messagers et leur dit, allez consulter Baal Zébub, Dieu des cons, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Et puis tout pendant mon Dieu, en au ciel là, gardez pour le roi Akazia, n'est qui recevra onction, n'est qui recevra grâce pour le joindre moyen, pour le voyer. À le garder pour lui. Et puis tout Bible a dit, l'ange de l'Éternel neve. Et puis tout le dit, il dit, ça messager, ça a eu, je vous ai, nous pas même quitter arrivé. Non, ça c'est disrespectant. Ça a manqué de gars. Ça c'est ratiès. Et puis tout Bible a dit dans verset 3, l'ange de l'Éternel dit à Eli, le tige-huit, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébul, Dieu le croit? Est-ce que c'est parce que pas de bon Dieu? Est-ce que c'est parce que pour être c'est à toi coûte? Est-ce que c'est parce que bon Dieu suspend bon Dieu qui fait qu'on n'a pas besoin? God, c'est qu'un diable à Jachel. Comment on a besoin de mettre les genoux à terre? Côté les hommes de Dieu du pays. Côté les hommes de prière. Côté les femmes de prière. Côté hôtel. Comment faire? C'est ça fait. Et puis tout l'Éternel, l'ange apparaît de côté lui. Il dit, monsieur, pour moi comme ça. Parce que. S'il fait ça, le fait. Attendez, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Mon Dieu dit, parce qu'on fait fréquent ça. Parce qu'on manque de dégâts dans la dimension ça. Ou agis tant qu'on pas de mon Dieu en Israël. Comment vous faites? C'est descendre ou descendre, mon Dieu. Là où l'église, ou le cap, c'est d'où dit, mon Dieu, l'église là est puissante. Bon Dieu, bon quoi, plus fort. Ou descend, valeur bon Dieu. Ou déshonorer le Saint d'Israël. Ou mépriser l'Éternel des armées. God says. Parce que c'est ça fait. Ou ap mourir. Nan kasa yo, sakalea, mourir. Et chaque fois, mourir. Et c'est ça que fait me sentir pour me dire. Si un monde, attendez-moi. Attendez. My God. Bon, continue l'évangile. Ça. C'est ça que fait me prendre, ouais. Bagaille, ça tellement important pour mon Dieu. Bon Dieu dit, peuple, au cœur de sa loi. Au cœur des 10 commandements, l'Éternel a parlé à peuple. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est le principe de la loyauté. Bon Dieu a cherché un peuple qui est loyal. Bon Dieu a cherché un peuple qui est fidèle. Bon Dieu a cherché des chrétiens qui préféraient souffrir. Dans y'a le manger dans mon loi qui préfère mourir dans y'a voyer à regarder ça qui a passé. Bon Dieu a cherché une génération de croyants, une génération de chrétiens qui dit Satan va dans ses coups, Satan va en affaire avec eux, qui déclarait y'a pas parlé et y'a pas voyé.
Yo pa pralé. Yo pa voyé. Yo pa pralé. Yo pa voyé. Bien-aimé, tentation à l'air. Des fois, les grandes. Tentation à l'air. Les grandes. Parce que des fois, ou qui doit avoir ce monde qui n'a même l'église avec eux. Qui dit, je connais mon qui a aidé. Et puis tout le mener au bas au maçon loge. Je connais mon qui a aidé dans Miami. Et puis tout le mener au bas au boko. Éternel palais. Dans Esaïe. Amen. Gloire. Le Seigneur palais. Dans Esaïe. Chapitre 8. Esaïe. Chapitre 8, verset 9, verset 19 et 20. Le Seigneur parlait dans Esaïe, chapitre 8, verset 19 et 20. Et bon Dieu dit, si on moun t'a dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. On allait devant l'autel, on offrit un sacrifice, on présentait une offrande, on relait un esprit, on fait un mort monté. L'Éternel dit, si un monde t'a dit un bagage comme ça, on checke. Il y a des gens qui poussent des sifflements et des soupirs. Ou va poser la question. Ou va répondre. Ou va demander. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Ça reste-t-il aux morts en faveur des vivants? Et plutôt le déclarer à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de rôle pour le peuple. Bien-aimé, des mêmes sont servis de pleine onction à part qui t'a dit où? En allant côté pour montrer des dimensions plus avancées, pour montrer comment pour apprendre à sortir encore. Pour montrer comment vous faites projection astrale. Pour montrer comment vous voyagez dans le monde invisible. Quel que soit mon état, tout bagay comme ça. Je me sens pour me dire, pour dire, aïe aïe aïe, je vais finir. Je vais le montrer qui ça, Jésus te répond. Mais avant, non seulement mon Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mon Dieu dit également, tu ne te feras point d'image taillée. Je t'ai expliqué pour qui raison. Mon Dieu dit, tu n'as pas fait image taillée. Je t'ai montré, on tourne là-dedans encore. On tourne là-dedans encore. Parce que ça est très important. Parce que, yon n'a pas bon Dieu te veut le peuple y apprendre. Bon Dieu te veut le peuple y apprendre que vous n'êtes pas capable de servir le même genre, de servir l'autre divinité. Il y a un protocole. Moun kap marche, kap vivre devant le trône. Bon Dieu dit yo, comment pour yo faire ça? Démontrons dans Exode chapitre 20. Amen. Gloire. Et c'est ça que je me prends temps pour me lire le texte de Deutéronome, non? Parce que dans Deutéronome, non, bon Dieu dit, ou pas imiter, j'ai l'autre nation au fait. Parce que yo même, yo fait par eux. Mais moi-même, je ne fais pas. Et même qui ça, bon Dieu te dit, peuple, dans Exode 20, chapitre 20, à partir du verset 23. Même lit depuis dans verset 22. Exode chapitre 20, depuis dans verset 22. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des
des dieux d'argent pour me les associer, vous n'en ferez point. Il dit, l'un besoin de rencontrer. Pinga nous fait des dieux d'argent, des dieux d'or. Et puis tout pour nous dire, ça représente mon Dieu. Pas fonctionner comme ça. L'Éternel dit, l'un n'a pas besoin de rencontrer. L'un n'a pas besoin de jouer avec moi. N'a pas dressé un hôtel. N'a pas offert des holocaustes, des sacrifices d'actions de grâce, des brebis et des bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, et tout le Seigneur, l'un n'a pas fait ça. Je viendrai à toi et je te bénirai. Ou après, que bon Dieu dit ça, tout de suite, il finit par les 10 commandements. Il dit, tu ne te feras point d'image taillé. Pour qui raison? Tendez ça, bon Dieu, vous voyez toi. Pour qui raison, bon Dieu dit, tu ne te feras point d'image taillée. C'est parce que derrière toute yon image, gagne yon mauvais esprit qui là. M'te expliqué que m'te non classe. Et m'pas de jamais comprendre mystère ça. Et dame qui te yon et tout, li expliquait que. Li gen la qualité des statuettes. Li dit que le fait évocation, esprit a descend, li parle à esprit a, nos statuettes yo. Derrière toute image, gagne un démon. Et non déplaise à mes frères catholiques, non déplaise à mes frères que j'aime beaucoup. Derrière image Marie, qu'on démon. Derrière image, c'est Pierre, qu'on démon. Derrière image, c'est Joseph, qu'on démon. Derrière image, c'est Michel, qu'on démon. Et tout le monde qui entend ou bien qui lit livre, qui entend des gens parler ou bien qui lit livre sur le vaudou haïtien, ils entendent que ça aurait les Vierge Maria, parce que dans le vaudou haïtien et même dans le catholicisme, il y a la Vierge blanche et il y a la Vierge noire. Et yon dans le vaudou haïtien, yon c'est Insuli Dantor et l'autre là c'est Insuli Freda. Derrière toute image qu'on démon, ça aurait les Saint-Pierre qui est clair dans même dans le vaudou haïtien, il y aurait les lettres bas. Derrière toute image qu'on démon. Et pas sans raison qui fait mon Dieu dit parfait image. Et pas sans raison il dit pas associé avec. God says no. Et image ça yo qui parfois sous l'autel. Et hôtel ça yo, tendez bien. Tout hôtel qui pas hôtel bon Dieu, son hôtel Satan. J'ai oublié ça tout là. Tout hôtel qui pas hôtel bon Dieu, son hôtel Satan le diable. On va me venir là, passe le bip pendant ma faire recherche. Ce message là, mal gardé hôtel sur internet, et pendant que je gardé hôtel, je passe tombé. Je tombe sur un hôtel vaudou. Moi, photo maman Marie sur hôtel vaudou. Moi, photo Vierge Marie sur hôtel vaudou. Et depuis ce monde qui a tant d'hommes là,
Bon Dieu, pour qu'on fasse expérience péristyle, mais il y a des gens qui ont tandem qui font expérience péristyle. Depuis ces gens qui ont tandem qui ont un péristyle, ils ont ça m'a dit. Même photo Jésus nous parle faire. Parce que derrière toute image qui est un démon. Vivre devant le trône, v'le dit Dieu devant, mais vivre, ou bien Dieu avant, mais vivre devant le trône, v'le dit également Dieu seulement. Dieu avant, mais également Dieu seulement. Et Satan, pas de l'autre bagaille qui fait plaisir plus que séduit moun. Amener moun par la séduction à l'adorer. Pour Satan le diable, que l'adoration soit volontaire ou qu'elle soit par séduction, livre-l'elle. Et Jésus dit nous comment pour nous répondre. Dans Matthieu, chapitre 4. Bien aimé frère, tenez-nous. Des gens qui passent dans un hôtel satanique, c'est là qu'ils regardent où la vie a mal mené. Il n'y a pas grand-chose qui marche pour lui. Et puis tout là, il y a une réponse, il y a une solution dans mes diables. Et diable là, bon, non, ça, oui. Et maintenant, la vérité, frères et sœurs, est que diable a compte bail richesse, oui. Diable a compte bail corps, oui. Diable a compte bail prospérité, oui. Diable a compte faire mon river, oui. Diable a compte bail élévation, oui. Mais en vérité, il y a élévation, pas besoin. Aïe, aïe, aïe. Des relations, pas besoin. Le diable parle avec Jésus. Il dit, Jésus, si on met à genoux devant et on adore, m'a baou toutes les gloires de la terre. Parce que bagaille ça, il était bon. Et puis Jésus garde Satan en jeu. Il dit, I don't want it. Et me sentir mal au vent texte qu'on a. Dit, I don't want it. Malel, que mes l'argent. Que mes cailloux, que mes élévations, que mes prospérités, que mes l'or, que mes l'argent. I don't want it. Marlène, m'a baille mon Dieu m'a pour l'argent. Mon Dieu m'a pour l'argent s'il vous plaît. M'a baille mon Dieu m'a pour l'or. Bon Dieu, quand même là, s'il vous plaît. M'baï, bon Dieu, m'a pour position. Bon Dieu, quand même position, s'il vous plaît. M'baï, bon Dieu, m'a pour promotion. Bon Dieu, quand même promotion, s'il vous plaît. As a matter of fact, m'entendez Jésus qui dit, ennemi, retire-toi de moi, Satan. Et c'est ça que fait le cerveau de nous à les ennemis en vini. Lui offrir au l'argent. L'elle offrir au l'argent endormi. L'elle offrir au caille endormi. L'elle offrir au mariage endormi. L'elle offrir au bien endormi. L'elle offrir au protection endormi. Dis même Jean Jésus. Get out of here. 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 Let him get out of here. Till get out of my fish. 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 Don't text school here. Till get out of here. Get out of here. Get out of my fish. Get out of my fish. Let him get out of my fish. Till what you do to me. Satan, retire-toi de moi.
Satan, retire-toi de moi. Satan, et sous parler dit, retire-toi de moi, Satan. Dis allez-vous-en. Dis allez-vous-en. Ou bien dis va-t'en. Ou bien dis détrempez-vous. Ou bien dis démasquez-vous. Get out of here. Get out of here. Get out of here. In the name of Jesus. Vive devant hôtel, mon Dieu. Mandez pour nous renoncer à tout l'autre hôtel. Bon, me dis ça encore. Vive devant l'hôtel, mon Dieu. Devant le trône de Dieu. Mandez pour nous renoncer à toute l'autre hôtel. C'est Dieu avant. C'est Dieu seulement. Et c'est Dieu tout le temps. Dieu avant. Dieu seulement. Et Dieu tout le temps. Oh! Oh! Des fois, chemin n'est pas facile. Et ennemi en gonzo la voie. Ennemi a toujours gonzo la voie. Sous servim, ma bon passé. Sous rentrer dans la société secrète, ma bon relation, connexion. Sous ces maçons, ma faut rentrer dans le clip gros amis, juge, avocat, médecin. Depuis ce pas qui a approuvé pour vous. Get out of here. Get out of here. Je me sens pour me dire à soi après avoir fini. Que bon Dieu qu'on prospère petit. Bon Dieu qu'on prospère petit. Je ne vais pas oublier ça. Le bon Dieu commence à faire route avec moi dans le ministère. Bon Dieu commence à lever. Bon Dieu commence à faire chemin. Il y a l'église New York qu'on a le prêché là-dedans. On l'église de prestige. Et plutôt qu'on pasteur, collègue. Qui aime des doches chez l'église là. Et puis tout ça va te gagner longtemps. Bon Dieu, tu es gagné dans le Sinaï. Et puis tout je dis, mon cher, bon secret à nous. Bon secret à nous. Parce que Michel, ouais, monté à fait tellement rapide. Michel, ouais, élévation fait tellement vite. Je dis, bon secret à nous. Comme un frère, ou dans ma son loge, bon secret à nous. Pour lui-même, faut qu'on maçon pour arriver. Mais ça, il ne comprend pas. Il ne comprend pas, bon Dieu, quand il lève petit lit. Ou pas besoin à le vendre ou pas diable. Ou pas besoin à le devant hôtel. Diable. Répète devant l'autel de Dieu. Répète devant le trône. Bon Dieu a fait où t'avais. M'entendez mon Dieu qui dit, m'entendez pour me parler sous Salem, m'entendez pour me parler avant de ça qui passait devant l'autel là. M'entendez mon Dieu qui dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ou pas besoin Al-Kadja pour ennemi, non? Ou pas besoin de 4 diables pour prospérer, non? Dieu est capable de te prospérer, mon frère. Mais reste devant le trône. Vis devant le trône. Demeure devant le trône.
tu n'es pas capable de faire, Dieu le fera pour toi. Pendant le service, la fini à souhait. Je ne sais pas qui est femme. Je ne sais pas qui expérience ou t'es fait. Il y a nous qui attendent à souhait. Qui fait expérience aller. Et il y a nous qui attendent à souhait. Qui fait expérience voyer. Même temps de bon Dieu qui a pris les qui dit mon fils, ma fille, viens devant le trône. Reviens à ton père, enfant égaré. Côte les chants, côte les chants, côte les chants. Dis-lui ta misère. Dis-lui, j'ai péché. Toujours il pardonne. Au cœur repentant. Tournez nos frères, tournez nous, tournez nous, tournez nous. Et nos cœurs, vous ne pouvez pas dire, ça me dit, elle n'a pas besoin de vous et un texte, vous n'avez pas besoin de business. Nos cœurs, si vous connaissez, même si secrètement, indirectement, vous êtes en affaire à un hôtel autre que l'hôtel de l'Éternel. Nos cœurs, à souhait. Je demande pour moi, bon Dieu, pardon. Parle à bon Dieu dans le cœur. Dis, Seigneur, je regrette l'expérience que je t'ai fait. Expérience ça, maman, je t'ai fait me faire. Et jusqu'à présent, loi hôtel, il a suivi moi. Diable hôtel, non, où elle, moi. Demande bon Dieu, pardon. Confessez. Confessez, Kounia. Parce que bon Dieu, il y a une délivrance là-bas. Mais il y a une confession fait au fait. Attendez, oui, confession ça, parce qu'on a besoin. Je vais vous montrer ça. Pour sortir en bas d'un hôtel, on a besoin de fou et quoi en bas d'un picot hôtel. Parce que Satan n'a pas quitté mon âme en bas comme ça. Pour sortir en bas d'un hôtel, on a besoin de fou et quoi en bas d'un hôtel qui est plus grand. Et puis, attendez, mon Dieu, qui dressait. Au calvaire, l'hôtel le plus grand, l'hôtel le plus puissant, l'hôtel le plus extraordinaire. Bon Dieu, plantez l'hôtel de la croix. Et sur l'hôtel de la croix, Dieu a donné le plus grand sacrifice. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et bon Dieu, nous souvenir, en bas, hôtel, moi, je dis, ma bonne protection. Reviens à ton père, enfant égaré. Dis-lui ta misère. Dis-lui j'ai péché. Toujours il pardonne à qui se répand pour toi leur sonne, c'est toi qui l'attend. Nous espérons que nous avons été bénis par message ça, nous encourager pour capable et bien continuer et bien utiliser plateforme ça pour capable prendre soin d'amour et enrichir spirituellement. Nous encourager également pour capable soutenir ministère ça. Il y a plusieurs façons capable faire ou faire via Zelle ou capable utiliser Cash App et ou bien droit utiliser voie postale et même PayPal dépendamment de côté et gens qui plus facile pour vous. Nous dit bon Dieu merci pour ministère ça que le mettez pour capable encourager les gens, former moun, édifier et ainsi pour nous capables de faire route là ensemble jusqu'à ce que le Seigneur revienne. En attendant que nous rencontrions encore, nous laguions dans deux plans, mes papa bon Dieu, et nous disons bon Dieu, remets-nous, nous remets tout. Bye bye.